Salut, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les bons plans, surtout tout ce qui concerne Black Friday, parce qu'il y a, un sacré paquet de réductions qui sont très très intéressants. Enfin, qu'on se lance directement avec un processeur Intel i7, franchement, qui est très 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 bien pour 429 euros de 12e génération, qui est compatible avec Windows 10 et 11. Voilà, sur Amazon. Ensuite, on a le AMD processeur Ryzen 7 qui monte jusqu'à 4,7 GHz sur Roi du Commerce pour le prix de 369 euros. Franchement, c'est pas mal, même sur Amazon, c'est le meilleur prix qu'on peut avoir pour l'instant. Il y a une réduction qui est très très intéressante. Voilà. Ensuite, on a le AMD processeur Ryzen 9 qui monte jusqu'à 4,8 GHz pour le prix de 519 euros. Aussi sur Amazon, c'est le meilleur prix que vous pouvez voir, l'extension qui me l'affiche. Franchement, il y a une très très bonne réduction là-dessus. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. C'est vraiment des bons processeurs. Ensuite, on a la carte mère AMC B450M Pro Max pour le prix de 47 euros. Sur Amazon, voilà, c'est un petit prix pour le petit budget qui veut une petite configuration tranquille, voilà, ça fait le taf quoi. Ensuite, par contre, là on entre vraiment dans le top, parmi les tops, c'est le ROG Strix B550F Gaming pour AMD pour le prix de 156 euros. Franchement, il est magnifique avec RGB ici sur le côté, ici aussi, franchement, c'est pas mal hein. Voilà. Bah, là, on va rentrer dans les périphériques. On a la souris Razer Viper Ultimate pour 70 euros sur Darty sans fil. Franchement, il est très 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 bien. Ensuite, on a la Logitech G502 Hero. Franchement, tout le monde la connaît. Je l'ai présenté plusieurs fois sur Amazon pour le prix de 40 euros. Il y a pas mal de touches programmables et tout. Franchement, il est top. Hein. Par contre, c'est avec le fil, hein. Filaire. Ensuite, on a la Logitech G903, franchement, qui est hyper bien, sans fil cette fois, pour 66 euros. Franchement, à ce prix-là, il ne faut pas hésiter. Hein. Il est parmi les tops du top des souris gaming sur le marché. Et il y a pas mal de touches programmables, vous avez un dock rechargeable avec et tout, il est hyper bien. Ensuite, on a le tapis Logitech, franchement, qui est hyper bien sur Cdiscount pour 90 euros. Ça vous permet de charger vos périphériques automatiquement, qui sont ceux de Logitech, en fait, qui sont sans fil. Au lieu de le brancher, vous mettez le tapis, vous mettez la souris, et c'est bon, ça se charge direct. Ça, c'est un gain de temps, mais incroyable. Hein. Voilà. Ensuite, on a le clavier Logitech G915 Lightspeed clavier, franchement, pour 215 euros sur Amazon, qui est magnifique aussi, RGB avec AMOLED et tout, franchement, c'est top. Hein. Après, on a le pack Logitech Wireless. En fait, on a la souris qui va avec le clavier, qui sont sans fil. La souris qui est très 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 bien aussi. En fait, il a sa caractéristique, c'est que la molette qui est ici, ça tourne sans arrêter. En fait, ça tourne tout le temps et ça va vous faire scroller la page hyper rapide. En fait, le pack entier, ça pour 90 euros, on peut dire. C'est très 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 bon offre. Hein. Et là, on va entrer sur comment ça s'appelle, les écrans, désolé. On a le Asus TUF Gaming VG 27 pouces pour le prix de 200 euros sur Amazon. Je vous laisse voir, il est très 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 bien aussi. Il a quoi 165 Hz, je pense, compatible avec Nvidia G-Sync. 1 milliseconde de réponse, ouais, voilà, 1 milliseconde. Je vous laisse lire le reste de détails, mais franchement, il est hyper bien. Hein. Je pense que c'est limite celui que... Ouais, je pense que c'est lui limite que j'ai. Ouais, je pense. Elle ressemble à celui que j'ai, moi. Alors... par contre, là, on entre vraiment dans les tops du top. C'est l'Alienware AW27 de pouce pour 240 MHz à 1 milliseconde AMD FreeSync. Franchement, il est magnifique. Pour le prix de 340 euros,
Voilà, par contre, vous voyez, il est expédié voilà, dans sous un mois ou deux mois. C'est ça le problème, mais ça vaut le coup hein, d'attendre. Hein, il est magnifique. Ensuite, on a maintenant l'écran Huawei Display pour 23 pouces, 60 Hz en noir, pour le prix de 100 euros. Et si vous voulez 75 Hz, c'est 110 euros. Franchement, il est pas mal. Voilà, si vous voulez un petit écran avec un petit budget, ça vaut le coup. Hein. On a le BenQ pour 27 pouces, franchement, pour 120 euros. Par contre, ça sera pas vraiment du haute qualité, mais voilà, pour un petit budget, si vous voulez un grand écran, voilà, ça fait le taf, hein. Franchement, ça fait le taf. Après, on a le Acer Nitro VG 27 pouces, franchement, qui est très très bien, 144 Hz, 1 milliseconde de réponse, compatible avec FreeSync, je pense Nvidia et AMD en même temps. Franchement, il est top. Voilà, le derrière, il est pas mal du tout. Hein. Surtout le petit dalle en bleu, c'est magnifique. Hein. Voilà, moi je kiffe. Voilà, pour 240 euros, ça vaut le coup. Ensuite, on a, là, on parle vraiment des écrans de première qualité. Hein. Il n'y a rien à dire. Le Samsung Odyssey LG de 32 pouces, 1 milliseconde de réponse, 240 Hz, FreeSync, Premium Pro. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Ça, oh, magnifique. Regardez, vous avez le LED derrière. Oh, punaise. Regarde la finition. Moi, je kiffe. Franchement, je le kiffe à fond. Regardez la petite LED ici sur le côté. Ça est incurvé en plus. Il n'y a rien à dire. Après, on a la caméra Riser, franchement, qui est très 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 bien. Brio. En fait, c'est un très bon caméra avec un petit LED sur l'écran. Le projecteur. Voilà le truc. En fait, c'est que au lieu de. Ça va pas remplacer complètement une lumière, mais ça vous permet d'avoir plus de luminosité dans votre chambre ou dans votre bureau pour pouvoir mieux streamer ou avoir une bonne qualité de rendu sur la caméra. C'est pour 55 euros, franchement, ça vaut le coup. Il est très très bien. Et, en fait, il y a aussi une amulette ici en fait, pour augmenter la luminosité ou la diminuer par rapport à ce que vous voulez. Et j'ai cherché pas mal. En fait, avant d'acheter ma caméra, j'ai pas mal fait des recherches. Et il était parmi les choix que je voulais. Et après, il est compatible vraiment avec OBS. Et il est très 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 bien. Voilà. Bon, ce prix, ça vaut le coup. Et là, on va entrer sur les disques durs. On a la Adata XPG pour 2 Tera pour 406 euros avec un bon de réduction de 35%. Franchement, il est compatible. Vous voyez, il est compatible avec PS5. Il est magnifique. Il est top. Hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Speed, machin, tout ce que vous voulez avec. Après, on a le Geekstone NV1 pour 500 gigas, 40 euros sur Amazon. Voilà, c'est l'entrée de gamme, mais ça vaut le coup. Hein. Si vous voulez un petit budget, ça fait l'affaire. Ensuite, on a quoi ? On a le White Black. Franchement, ça, c'est les meilleurs qui existent sur le terrain. 1 Tera, la 4e génération pour presque 100 euros. Vous avez un SSD de malade. Hein. Rien à dire là-dessus, avec son logiciel et tout, qui vous pouvez voir vraiment très bien là-dessus. Ensuite, on a le disque SSD SanDisk Ultra pour 1 Tera, 82 euros. Franchement, voilà, hein, si vous voulez faire l'affaire, c'est très bien aussi. Ensuite, on a le casque EPX de stream. En fait, vous avez le micro avec le casque pour 100 euros. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup largement. Si vous voulez commencer à streamer avec un petit budget, ça va faire vraiment, ça fait vraiment le taf. Hein. Ensuite, là, on a un grand pack de Corsair. On a la chaise, le clavier, le casque, la souris, le tapet, l'écran Samsung. En fait, pour 556 euros, vous avez vraiment complètement votre setup qui va avec. Franchement, c'est un très 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 bon offre. La chaise aussi, il est très très bien. Vous voyez, il y a tout qui va. Si vous voulez tout le matériel Logitech d'un coup, ça va, c'est là.
faut y aller, faut pas hésiter. C'est le bon pack. Ensuite, on a le boîtier Corsair 4000D, franchement pour 70€. Il est très 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 bien, il est bien aéré, un rangement de ouf. Franchement, pour avoir un câble management, c'est le top du top parmi les tops. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, c'est un très très bon boîtier en blanc. Oh, vous voulez, ouais, en blanc, c'est là où il y a la réduction. Alors maintenant, on va aller sur les PC et tout ce qui va avec. Alors, on a maintenant un PC game, un PC portable gaming Acer Nitro 5 sur de chez Fnac, avec un processeur i5 10e génération compatible avec Windows 10. Vous avez un 512 Go de stockage, 15 pouces, 16 Go de RAM. Franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Hein. Il était à presque 1200 et maintenant il est à 900 balles. Franchement, ça c'est top. Hein. Un très très bon réduction en tout cas. Franchement, moi je kiffe avec regarder le RGB et tout ce qui va avec. Et je pense qu'il y a aussi le pass. Oui, vous avez un mois offert pass, de Xbox Pass. Franchement, c'est top. Ensuite, on a le Asus ROG Zephyrus. Franchement, ça, c'est magnifique. Pour le prix, par contre, 2300€. Voilà. Il coûtait presque 3000€. Maintenant, il est à 2300. Enfin, sur moi, vous économisez à 700€. Waouh! Compatible avec Windows 11, c'est ce qu'on dit. Vous avez 32Go de RAM, 1 Tera SSD. Ah oui, vous avez le RTX 3080 et vous avez le R9, je pense c'est le processeur, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Bah, franchement, waouh, il est top, hein. Y a rien à dire, moi j'adore le blanc comme ça. Et je pense vous avez aussi, vous pouvez, oui si je me rappelle bien, vous pouvez carrément mettre des petits trucs ici, des écritures, des petits logos comme ça en RGB, c'est magnifique. Après, on a un PC portable Legion 5 Pro, 16 pouces pour 1274 au lieu de 1700. Vous avez un AMD Ryzen 5 qui peut aller jusqu'à 4,20 GHz. Vous avez Windows 10, bien sûr, direct, Windows 11, je veux dire. Voilà, après, vous avez quoi? Vous avez 16 Go de RAM. Vous avez... ouais. Vous avez aucun... il faut sélectionner, mais malheureusement, il n'y a pas de stockage. Par contre, vous avez un SSD, de 256 Go. Et voilà, 16 Go. Vous avez le processeur S7 pour bénéficier, ouais. Et vous avez la RTX 3060 16 Go. Voilà. Et après, je vous laisserai lire le reste. Hein. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Sur le site de Lenovo. Alors, sur la rue du commerce, on a Asus VivoBook, franchement, il est hyper bien. Aussi pour 900€ au lieu de 1200€. Alors, la fiche technique, on va voir la fiche technique. Ce qu'il a, on a Windows 11, bah, forcément, ça c'est en... tout le monde maintenant, tous les PC qui sortent, ils ont ça. On a AMD. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On a 512Go de stockage. Ouais, on a le Ryzen 7 qui monte jusqu'à 3,1 GHz, franchement qui est top. Voilà, vous avez aussi un SSD là-dedans inclus. Franchement, il est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah ouais, voilà, je vous laisse voir ce qui va avec. Écran OLED, machin, vous voyez tout le machin qui va avec, hein, je vais pas rentrer en détail. Ensuite... On a le PC Lenovo Edebet, si j'ai bien prononcé, voilà, Gaming 3 pour 15 pouces, AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD en noir, chez Fnac, pour le prix de 700€. Voilà, il est pas mal. Ensuite, on a le Asus ZenBook 13 OLED, franchement qui est de 13 pouces pour Intel Core i5, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Franchement, il est hyper hyper fin et vous avez le pad où vous pouvez carrément mettre le pavé numérique là-dessus. Il est très 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 bien, regardez, il est magnifique. Voilà.
Ensuite, maintenant, on a sur MediaMarkt, on a la Xbox Series S, 512 Go, pour le prix de 240 €. Voilà, si vous voulez, c'est hyper, il est très très bien en blanc. Ensuite, on, bah, ceux qui cherchent quand même, il y a une carte même, une carte mémoire de Samsung Evo de 256 Go, pour le prix de 22 €, les amis. Franchement, c'est un très très bon offre avec un adaptateur offert et tout. C'est magnifique, hein. Oh. Ensuite, on a quoi? On a, oh oui, on a un logiciel de PDF. En fait, c'est sur téléphone par contre, et vous pouvez scanner. Vous pouvez scanner n'importe quel journal, un papier avec des écritures. Il va vous transformer, il va le transformer en PDF. L'écriture qu'il y a là-bas, il va la recopier et la transformer. Vous pouvez les sélectionner directement. Regardez, c'est top, hein. Franchement, c'est top. Moi, je vais la télécharger si vous voulez, hein. Voilà, une petite application Android, ça passe. Et maintenant, on va rentrer vraiment sur les smartphones. Il y a pas mal d'offres sur smartphone. On a le Google Pixel 6 qui vient de sortir de chez Google, de 128 Go, pour 600 €, avec le dernier Android qui vient de sortir. Franchement, et apparemment, il y a pas mal de retours qui sont très 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 bien sur ce téléphone. Voilà. Ensuite, on a sur le Soch, on a le Apple et iPhone 13, et le 13 mini, un très très bon offre pour les deux téléphones pour rapport à Black Friday, voilà. N'hésitez pas. Ensuite, on a le 12 mini noir 64 Go sur Rakuten pour 589 €, voilà. Et bon, voilà. Ensuite, on a le Samsung Galaxy A52s 5G compatible sur de chez Orange, pour le prix de 379 € au lieu de 459. Voilà, un petit téléphone avec, franchement, il fait le taf, je dis pas. Alors après, on a le sur Carrefour, on a le Galaxy S21 128 Go, 5G double SIM pour 640 € au lieu de 800 €. Voilà, 8 Go de RAM. Y a rien à dire, les amis. Quand même, vous connaissez la marque Samsung, hein. Ensuite, sur Orange, on a le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G à partir 256 Go, ouais, c'est ça. À partir de 300, à partir de 300. Ça, si vous voulez avoir avec des offres, 379 €. Si vous voulez le téléphone entier, c'est presque 1000 € au lieu de 1100 €. Voilà, vous avez une remise de 100 €. Voilà. Chez Orange, on a le Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G de 120 Go. Pour le prix de 469 € au lieu de 600 €. Franchement, il a jamais descendu autant, et c'est un très 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 bon téléphone. Moi, je l'avais avant, il est top, il fait tourner tous les jeux, il n'y a rien à dire. Oui, ensuite, ça c'est pour... en fait, on a le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, 250 Go, plus coffre accessoire S-Pin pour le petit stylo, plus 100 € sur Google Play Store en offre. En fait, par contre, il faut être avoir un compte sur Samsung Shop, et avec le code de réduction que je vais mettre en description, au lieu de 1800, vous allez avoir à 1300 €. Très très bon offre. Ensuite, on a le Google Store. En fait, c'est le pack Premium Edition de Stadia. Franchement, au lieu de 80 €, on descend à 22 €, les amis. Franchement, vous pouvez jouer à des jeux directement sur des serveurs. Au lieu d'avoir un PC de ouf, vous pouvez directement jouer sur un petit PC ou sur un téléphone, sur tablette, sur n'importe quel matériel qui est connecté là-dessus, qui est compatible, à des jeux qui demandent des configurations de ouf, hein. Voilà. Ensuite, on a les Apple AirTag, franchement, sur Amazon pour 30 € au lieu de 35 €. Bon, bah, ça c'est pour les gens qui ont des iPhone. Ensuite, on a la chaise gamer Kira Nagamaki noire,
sur Fnac, au lieu de 169 euros, c'est à 100 euros. Voilà. Ouais, et là, après, on a un cours de en ligne pour spécialisation Turing in Google Cloud. Si vous allez, vous voulez apprendre des cours et tout, je vous mettrai ça en description. C'est un cours que vous pouvez prendre avec le code que je vous mettrai. Ça sera gratuit. Voilà. Oui, après, il y a une réduction sur les displays. J'ai aucun partenariat avec eux. C'est seulement avec le code BLACK. Vous avez une réduction de 41%. Voilà. Après, oui. En fait, vous avez 33 remises pour l'achat de 1, 2 displays. 2 displays. 37 pour les 3 et les 4 displays. Et 41 pour le plus de 5 displays achetés. Voilà, pour être vraiment clair. Et voilà. Bah après, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Ça me fait hyper plaisir. Et me follow sur Twitch et sur YouTube. Comme ça, au moins, voilà, vous me soutenez. Ça me ferait hyper plaisir. Ça me motiverait d'aller vers l'avant et de faire plus de vidéos comme ça. Et je vous souhaite bon week-end, bon Black Friday. N'hésitez pas de... Voilà, si vous avez les moyens et vous voulez profiter, allez-y. Il y a pas mal d'offres qui sont alléchantes là-dessus. Et je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Salut tout le monde.